Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, les gens se demandent comment se passent les études en Turquie, comment est-ce que je fais mes cours en Turquie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quelques parties, c'est-à-dire quand j'ai eu à faire cours, j'ai juste filmé quelques parties, comment est-ce que moi je fais généralement cours ici en Turquie en période de confinement, en période de Covid-19. Et aussi, si vous restez à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils comment faire pour préparer son voyage pour la Turquie. Parce que plusieurs personnes là qui voyagent pour la Turquie font beaucoup d'erreurs. Raison pour laquelle lorsqu'ils arrivent ici en Turquie, ils rencontrent plusieurs problèmes parce que peut-être ils ont oublié ceci, ils ont oublié cela. Alors si vous êtes intéressé par cette vidéo, par ces conseils là, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Générique. Si vous observez, j'avais même sommeil parce qu'il y avait parfois que je mettais ma main comme ça. Ça veut dire que faire le cours en ligne n'est pas chose facile. C'est parfois difficile parce que le professeur va juste bavarder et tu n'auras même pas le temps de dire que tu vas peut-être parler. C'est rare sont des fois que tu parles parce que vous êtes nombreux dans une salle de classe. Alors voilà ainsi comment se passent les cours ici en Turquie. Voilà comment moi je fais généralement mes cours lorsque je ne suis pas au campus. Je les fais à la maison tranquillement dans un petit coin. Sans bruit, et c'est un peu ennuyeux, c'est beaucoup ennuyeux, mais même pas un peu, c'est beaucoup ennuyeux parce que c'est pas trop interactif. Le Covid est venu affecter plusieurs choses. Comment faire pour préparer bien son voyage pour la Turquie? J'aimerais dire à tous ceux-là qui veulent préparer le voyage pour la Turquie, qui préparent le voyage pour la Turquie, c'est que vous devez savoir deux choses. C'est qu'ici en Turquie, il y a des maisons de fournisseurs d'habits. Pourquoi je dis des maisons de fournisseurs d'habits? Certains gens, lorsqu'ils veulent voyager pour la Turquie, ils perdent du temps à emballer tant d'habits. Pourquoi emballer tant d'habits? Pourtant, la majorité des habits sont produits ici en Turquie. La première chose, c'est que lorsque vous voyagez pour la Turquie, ça ne sert à rien de remplir votre sac avec beaucoup d'habits. Parce qu'ici, vous auriez l'occasion d'acheter ces habits à moindre coût. Donc, que de remplir votre sac avec des pulls, des t-shirts, des pantalons, des jupes, des robes, ça ne vaut pas la peine. C'est vrai, vous pourriez normalement même prendre vos habits traditionnels africains, peut-être pour démontrer ou pour montrer la culture africaine ici au-dessus. C'est même dans ce sens-là que vous devez remplir votre sac avec beaucoup d'habits. Mais question autre habits de maison et tout le reste là, veuillez laisser ça juste en Afrique tranquillement, veuillez laisser ça dans votre pays tranquillement parce qu'ici, vous auriez l'occasion d'acheter plusieurs habits à moindre coût. La deuxième chose est que les gens se disent qu'ici les téléphones sont moins chers, ils auront l'occasion d'acheter des grandes marques de téléphones à très bas prix. Erreur. L'une des mauvaises choses de vivre en Turquie, c'est qu'en Turquie, les choses électroniques, c'est-à-dire les équipements électroniques, sont vraiment coûteux. Ça ne sert à rien de laisser l'occasion d'acheter un téléphone en Afrique. En fait, ça c'est mon expérience, ça c'est mon conseil que je vous donne. Plusieurs personnes vont vous dire que venez acheter vos téléphones en Turquie, c'est moins cher, mais moi,
J'ai juste constaté qu'en Turquie, les téléphones sont beaucoup plus coûteux en fait. Donc, il est conseillé d'acheter un téléphone venant de l'Afrique pour l'apporter en Turquie. C'est vrai, lorsque vous allez acheter un téléphone en Afrique et que vous allez venir ici en Turquie avec, arrivé ici en Turquie, on va vous demander de payer une certaine taxe pour pouvoir continuer à utiliser le téléphone. Dans tous les cas, le choix vous revient. Moi, mon téléphone, lorsque je suis venu avec, c'est vrai qu'on m'a demandé de payer une taxe, mais avec le temps, on n'a pas eu à bloquer ce téléphone-là. Certains bloquent leur téléphone, mais tu peux bien le débloquer en payant juste la taxe. Tu peux aussi décider de venir acheter le téléphone ici en Turquie, le choix te revient. La troisième des choses, c'est que plusieurs personnes voyagent sans PC, personal computer. C'est une mauvaise chose. Le conseil que je vous donne, c'est de voyager avec votre personal computer, voyager avec une machine. Surtout ceux qui viennent en cette période de COVID-19 où les cours se passent généralement en ligne, parce que lorsque vous voyagez à votre machine, elle facilite complètement vos cours en ligne. Parce que faire cours avec un téléphone, c'est pas facile. Vous avez vu dans la vidéo, dans quelques images présentées, comment moi je faisais cours avec ma machine tranquillement. Si ce que j'avais mon téléphone, ça devait être très très compliqué de pouvoir suivre le professeur tranquillement. Aussi, petit conseil, ceux qui voyagent là, pensez à prendre de la nourriture africaine. Parce qu'ici, ceux qui vendent de la nourriture africaine dans une ville comme Istanbul, ça ne blague pas avec du prix. Ils ne blaguent pas avec du prix, surtout du plantain. Parlons par exemple du plantain, c'est pas du jeu. Donc il est conseillé, c'est vrai que vous n'allez pas emballer tout un régime de plantain pour venir en Turquie avec, mais il est conseillé de prendre un peu quelques condiments d'Afrique là, quelques condiments africains, made in Africa, pour venir se réjouir avec pour quelques temps avant que ça ne finisse, parce que ici, vous n'allez pas trouver de la nourriture africaine. C'est très très rare en fait. Et si vous en trouvez, c'est beaucoup 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 plus coûteux. Alors c'était juste mon petit conseil pour ceux qui veulent venir étudier en Turquie, sur comment se passent les études en Turquie en période de Covid, et sur comment préparer son petit voyage pour la Turquie. C'est vrai, à l'avenir, je vous donnerai plus de conseils comment mieux préparer son voyage pour la Turquie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas toujours de les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à de liker et de vous abonner, parce que c'est ça le jeu. Je t'en supplie, abonne-toi et partage. Si vous avez plus de questions, posez-les moi. J'ai juste mis mon email et mon numéro de téléphone là. Contactez-moi et je vais vous répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine.